Hello à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo Big Haul H&M. Voilà, donc vous savez que je n'ai pas d'H&M près de chez moi et ben, j'ai craqué le Slype, tout ce que vous voulez. C'est souvent comme ça en fait, soit j'ignore totalement, complètement pendant une certaine période, soit je passe 2, 3, 4, 5 commandes d'affilée. Donc là j'ai passé 3 commandes d'affilée, en plus il y avait moins 15%, donc... pendant un bon bout de temps, voilà, donc voilà, j'aurais pas dû fouiner dessus, parce que en recevant les mails d'ailleurs que je vous partage sur Snapchat, ben, ça m'a donné l'envie d'aller fouiner, et j'aurais pas dû. Enfin bref, c'est pas grave, j'ai fait de belles découvertes, je suis contente. C'est ce que j'aime aussi en fait dans les commandes, lorsque je peux pas toucher et voir la matière en direct, c'est d'être surprise, d'être encore plus contente en fait de l'article en vrai, voilà, que sur le web. Donc voilà, donc on va commencer de suite. Alors je vais tout d'abord rechercher les commandes sur, sur l'application H&M, parce que j'ai gardé une facture mais il n'y a pas de prix dessus. Lors de ma première commande, j'avais pris des articles pour moi, mais aussi pour bébé. Mais ce pour bébé fera l'objet d'un haul baby, voilà. Alors, dans cette première commande, je me suis pris cette casquette, voilà, qui faisait 9,99€. Comme ça, je vous dis les prix. Cette casquette en suédine, donc imitation d'un. C'est la tendance du moment. Je pense que vous ne pourrez pas passer à côté, c'est certain. Voilà, donc c'est la tendance, je pense, printemps-été. Voilà, donc j'ai pris la taille M56. Et c'est vraiment une casquette noire toute simple, basique. Hein. Voilà, et moi, j'adore les casquettes. Je suis une fanatique. Voilà, j'en ai toujours porté. Et beaucoup lorsque j'étais jeune, lycéenne, etc. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup. Elle est bien coupée et j'ai bien fait de prendre la taille M. Elle épouse super bien ma tête, quoi. Mon crâne. Donc voilà pour cette casquette à 9,99€. Je crois que vous en avez chez Zara, mais c'est pas le même prix. Je me suis pris ce top à lassage kaki qui est trop trop beau. C'est vraiment un coup de cœur, c'est une des pièces que j'adore. Voilà, donc c'est un haut à lacet, ça aussi c'est la mode hein, en ce moment, donc vous ne pourrez pas passer à côté non plus. Voilà, donc je l'ai pris en taille M, c'est de la gamme Divided. Voilà, il est supra fluide, donc il va être super bien, il est vraiment confortable, il est agréable à porter. Il donne pas chaud, donc moi je le porte en ce moment avec soit un perfecto, soit avec un gilet plus un manteau, voilà, parce qu'il fait pas très chaud encore. Voilà, donc c'est un manche longue, mais pour ce printemps, voire cet été, ça va être le top. Voilà, il est vraiment tout simple, mais j'aime vraiment beaucoup et la couleur et le petit lassage ici qui fait que, franchement, c'est un col V, mais pas très très plongeant en fait. Donc voilà pour celui-ci qui m'a coûté 12,99€. Ensuite, deuxième commande, j'avais envie de tester leur pantalon. C'est vrai qu'à chaque fois que je me rendais dans un H&M, que ce soit à Paris ou en Belgique, eh ben je trace. Il y a tellement de pantalons que je trace, je perds pas mon temps. C'est vrai que je me dirige plutôt vers les robes, vers les tops, vous voyez. Et c'est vrai que les jeans, ben, ça m'avait jamais interpellé, sauf que là, j'avais envie de tester. Et je ne savais pas quoi faire, parce que je n'avais jamais testé de jeans H&M. Et je savais pas si j'allais prendre, pas prendre, quelle taille, comment c'était coupé, comment c'était taillé. Bref, je me suis vraiment lancée, je me suis dit, allez, commande, au pire, tu le rends. Voilà, donc par contre, j'ai pris un lot de 5 paires de chaussettes, mes chaussettes, hein, pas les sockets, parce que j'en avais marre qu'elles glissent dans mes chaussures. Je sais pas si ça vous le fait à vous aussi, donc j'ai décidé de prendre des sockets qui me montent jusqu'au tibia, quoi. Voilà, donc c'est des basiques toutes blanches que je n'ai pas vu que je les ai portées, etc. Mais elles m'ont coûté 7,99€. Et j'ai aussi pris deux pinces crabes blanches, plutôt transparentes, ouais. Deux pinces crabes transparentes qui m'ont coûté celles-ci 2,49€. Voilà. Et que je pourrais pas vous montrer parce que je ne sais pas où je les ai mises. Voilà. Ensuite, on continue. Je me suis pris des accessoires, donc ces petits bijoux-là. Je voulais vous présenter tous les accessoires dans une vidéo spéciale. Est-ce que ça vous dit ? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est une vidéo qui va être vue, qui intéresse. Je ne sais pas du tout. Et dans cette catégorie accessoires, je pense y mettre tout ce qui est maroquinerie, bijoux, solaire,
plein de choses. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Voilà. Donc j'ai pris ce lot de 5 bagues. Trop jolies. Franchement, je ne m'attendais pas à ce que ça soit d'aussi bonne qualité. Bon voilà, c'est de la ferraille, hein. C'est pas des métaux métal précieux. Hein. Voilà, donc la première c'est celle-ci. Voilà, donc je pensais que c'était des bagues de phalange, mais elles sont quand même assez larges. Hein. Donc voilà, j'ai pris celle-ci. Voilà, strassé, très joli. Hop, par contre, j'ai pris une taille ML, voilà, parce que vous avez SM et ML. Ensuite, celle-ci avec des petits picots. Voilà, je sais pas si... je crois que c'est mieux si je vous le montre de loin. Voilà, parce que j'ai changé d'appareil. Et franchement, je m'y fais pas à chaque fois. À chaque fois j'ai une luminosité différente et ça filme vraiment différemment à chaque fois, donc à chaque fois j'essaye de calibrer mais c'est jamais la même chose. Voilà, donc ne m'en veuillez pas. Ensuite j'ai pris celle-ci blanche et strassée, voilà, pareil, celle-ci qui est très jolie, on dirait une feuille de laurier, un peu comme ce qu'il avait Jules César sur la tête. Voilà, j'aime beaucoup, toute simple, dorée. Et enfin celle-ci avec des petits poinçons, j'ai envie de dire. Dorée, toute simple. Celle-ci, par contre, ouais, c'est bien une bague de phalange, à part si vous voulez la mettre dans le petit doigt, mais bon, moi, j'aime pas. Mais bon, c'est vraiment la mode en ce moment des multi-bagues sur tous les doigts, mais moi, j'aime pas du tout. J'aime pas ça du tout. Voilà, il va falloir que je mette tout ça dans une petite boîte pour pas les perdre. Et donc, ces petits bijoux, je les ai eus à 6,99€. Mais bon, je ne vais pas les ranger pour l'instant, surtout si je vous fais la vidéo accessoire. Enfin bref, on verra. Hop, voilà. Ah, un sweat. Ah mince, il va me manquer un haut. Bah tant pis. Ensuite, je m'étais pris un basique, un t-shirt gris tout simple qui faisait... c'est un top à manches courtes que j'avais pris en taille L. Ça fait vraiment... C'est un basique loose, voilà, que j'ai fait exprès de prendre en taille L. Que j'avais payé 9,99€. Ensuite, je me suis pris un top en jersey. Voilà, donc pour eux c'est un top, mais pour moi c'est un petit gilet que je porte avec une robe ou même avec un top. Hein. Même avec le top, je veux dire le top lassage. Voilà, donc c'est un petit gilet comme ça en jersey, tout fin. Par contre, il est supra court. Si vous le portez, vous pouvez le porter fermé, boutonné. Ça fait un peu comme un crop top en fait, donc c'est pas mal. Mais moi les crop tops c'est pas trop mon truc. Voilà, à part si c'est avec des pantalons taille haute ou des jupes taille haute, pourquoi pas. Voilà, donc voilà, je l'aime bien. Franchement, je le porte assez souvent avec une petite robe, même en journée ou en soirée, ça passe très bien. Donc je l'ai pris en taille L, de la gamme aussi Divided. Et celui-ci, je l'ai eu à 12,99€. Par contre, les prix que je vous donne, c'est hors réduction. Voilà, c'est les prix basiques sans les moins 15%. Ensuite, je me suis pris un body, ils appellent ça un body côtelé. Voilà, j'ai craqué en fait. Et pour la forme, moi j'adore les bodys, j'en ai plein hein, de toute façon. J'adore ça. Voilà, c'est le top, vous mettez ça, vous mettez un pantalon, vous mettez une petite veste et en avant. Et en avant, voilà, donc c'est un petit body comme ça, gris. Voilà, côtelé, trop beau. Il s'est un col V, mais il n'est pas très décolleté. Et il est resserré un peu à la taille ici. Vous avez une découpe à la taille. L'arrière est tout simple. Voilà, et en dessous, ça ne s'accroche pas avec des boutons pression, mais plutôt, vous voyez, avec ce genre d'attache, comme les soutiens-gorge. Voilà, donc je l'ai pris en taille M, et celui-ci, je l'ai eu à 14,99€. Et enfin, pour terminer cette commande, je me suis pris donc un jean, et c'est le Super Skinny Ankle Jean. Et j'ai totalement craqué, il est trop beau, j'adore la couleur. Et en plus, comment vous dire, il me va trop bien. À croire qu'il est fait sur mesure, vraiment, il est trop beau. Voilà, donc il est bleu comme ça, il est légèrement destroy au niveau des genoux. Et ce que j'aime aussi, c'est que l'ourlet n'est pas finalisé, ils l'ont laissé tel quel. Voilà, et j'aime vraiment beaucoup, ça me fait penser à un jean de chez Zara. Voilà, donc pareil de l'autre côté, très légèrement destroy sur les genoux. Donc mon mari va laisser passer parce qu'il déteste les jeans destroy. Voilà, donc pareil. Et enfin à l'arrière il est vraiment tout simple.
de légers effets ici et là sur un léger effet ici sur la poche arrière, mais sinon après basta. Voilà, après c'est tout simple, il n'y a pas de trou. Voilà, donc je l'ai pris en taille 40 de la gamme Divided. Et celui-ci, il coûtait combien ? Celui-ci m'a coûté 24,99€. Donc j'ai hâte de vous le présenter dans une tenue, parce qu'il vaut vraiment le coup et il est vraiment super. La dernière commande sur le site, et c'est celle que je viens de recevoir. Alors je me suis pris là cette fois-ci 3 pantalons, quelques hauts et des accessoires. Donc pareil, je me suis pris des boucles. Celle-ci, c'est 9 paires de boucles d'oreilles en rose gold. Trop trop belle. Ça fait longtemps que je louchais dessus. Voilà, c'est vraiment tout ce que j'aime. Si vous me connaissez, vous savez que je suis surtout pour le travail. Voilà, c'est vraiment, ça passe, ça, sans en faire trop. Et ça habille vraiment, ça habille l'oreille et ça fait très très classe, je trouve. Voilà, donc rose gold et du rose ici, du rose pâle, trop trop beau. Voilà, ça fait des perles de culture, des petites perles comme ça, mais je dirais en acier. Et enfin, des petits strass. Et la petite dernière boucle, c'est celle-ci un peu qui me fait penser à des boutons de gilet jacquard. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, ça faisait longtemps que je voulais les prendre. Elles étaient à 4,99€. Donc je crois que je les ai payées 3 ou 2€. Voilà. Hop, 4,99€. Ensuite, je me suis pris celle-ci, que j'avais jamais vue en fait. Donc celle-ci, ce sont les 4 paires de boucles d'oreilles. Je ne sais pas comment ils appellent ça. Earring pink, ouais. Donc ce sont celles-ci. Voilà, elles sont vraiment toutes simples, mais elles sont marbrées et j'ai adoré. Donc vous avez 4 couleurs différentes, je dirais, sur le site. Et moi j'ai opté pour celles-ci. Donc vous avez du bleu, du blanc, du noir. Et j'avais porté moi les taupes rosées. Voilà, et je les aime trop. Elles sont très très classe également. Et celles-ci m'ont coûté combien? Les 4, elles m'ont coûté 4,99€. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Voilà. Ensuite, je me suis pris cette petite couronne de fleurs. Trop, trop belle. Moi, j'adore les headbands de fleurs. D'ailleurs, là, je crois que je vais... À chaque fois que c'est le printemps, je m'en reprends. Par contre, cette fois-ci, ce n'est pas élastiqué. Voilà. Et je vais vous montrer ce que ça donne. J'adore. Bon, elle est un peu, la pauvre, un peu amochée, je dirais. Voilà, mais j'aime trop, je sais pas ce que vous en pensez. Je pense vous faire un petit make-up avec. J'aime vraiment beaucoup avec mon petit Stingray de couleur pop. Voilà, je trouve que ça se marie super bien. Elle est super belle. Voilà, donc celle-ci... Hop, j'ai plein de cheveux sur le téléphone. Celle-ci, c'est décoration pour les cheveux que j'ai eu à 9,99€. Voilà, trop jolie. Bon, je pense que je vais finir ma vidéo avec. Voilà, parce qu'elle est bien là. Ouais, elle est bien. Ensuite, je me suis pris combien de tops là? 3. Ouais, je me suis pris 3 tops, dont un qui est à l'envers. Hop, on va remettre ça à l'endroit vite. Voilà, donc je me suis pris un top façon dentelle qui faisait 29,99€, mais moi je ne l'ai pas eu à ce prix là. Voilà, c'est celui-ci, il est superbe, il est trop trop joli, j'adore la découpe. Par contre, petit hic, il est transparent. Et j'avais vraiment pas fait attention en fait sur, je ne sais pas si vous voyez ma main là, j'avais vraiment pas fait attention sur le site, mais nos sous-sailles, je mettrai soit un bustier blanc, soit un débardeur. Voilà, je l'ai pris en taille M, j'aurais dû peut-être le prendre en taille L, ouais. Parce que j'aime bien quand ça me va loose, mais c'est pas grave. Voilà. Et l'arrière est tout simple. Il est uni blanc. Et voilà. La dentelle. Je suis moins fan de la dentelle au niveau des bras, mais c'est pas grave. Mais vraiment, j'adore la découpe et le travail de la dentelle à l'avant. Voilà, voilà. Donc celui-ci aussi, hâte de vous le montrer dans une tenue. Ensuite, je me suis repris le body côtelé, mais cette fois-ci en noir, tellement que je l'ai adoré en gris. Voilà, son petit frère, 14,99€. Il est trop beau, vraiment, il est simple, mais moi je le trouve super beau. Donc en taille M, manche 3/4, voilà, trop joli.
Ensuite, je me suis pris un petit t-shirt en jersey avec petite impression à 9,99€. Voilà, il est de couleur, me semble-t-il, navy, bleu marine. Voilà, et il y a marqué dessus My Everyday T-shirt. Voilà. Celui-là aussi, vous pouvez le porter soit en pyjama, hein, même s'il ne fait pas partie, je ne l'ai pas acheté au rayon pyjama. Vous pouvez le porter soit en pyjama, parce que je m'étais tâtée, mais il est joli, donc franchement, donc à porter dans une tenue décontractée et chic aussi, si vous voulez, avec des talons, etc. Vous savez, c'est vous qui voyez. Donc voilà, l'arrière est tout simple. Et celui-ci, je l'ai pris en taille L. Ensuite, je me suis repris un jean qui faisait... Donc un pantalon stretch qui fait 19,99€. Et c'est un pantalon blanc. Et j'adore les pantalons blancs. Vraiment, j'adore ça. Surtout au printemps-été. Si je pouvais, je porterais que ça. Voilà, donc c'est un skinny. C'est ma coupe préférée au niveau des jeans. Voilà, donc je l'ai pris en taille 40. Et c'est un skinny super stretch. Il est vraiment simple. Vous avez donc les détails en doré ici, le bouton, etc. Voilà, il est vraiment super simple. Il est légèrement resserré. Il est resserré au niveau de la cheville. Et l'arrière est tout simple. Il est taille, j'irais, c'est pas une taille basse, c'est pas une taille haute. C'est entre les deux. Voilà, il est vraiment super beau. Je l'ai déjà porté. Il me va comme un gant. Et je suis vraiment super ravie des pantalons de chez H&M. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous avez déjà testé les pantalons dans cette enseigne. Mais franchement, c'est une très très belle surprise. Et enfin, pour terminer, je me suis pris deux autres pantalons. Mais cette fois-ci, le même modèle, mais en deux couleurs différentes. Voilà, le premier, c'est celui-ci. Donc, suédine. Voilà. Donc couleur beige moutarde, je dirais. Vous avez donc des empiècements ici au niveau du genou, au niveau du popliqué, ainsi qu'au niveau de la jambe. Voilà, il est vraiment tout simple, il n'a pas de poche. Mais par contre, le truc qui est trop bien, c'est qu'ils ont pensé à mettre des ourlets, des passants pour les ceintures. Bon, de toute façon, j'aurais pas ce souci parce qu'il me va légèrement serré, mais je pense que ça va lâcher au lavage et à force de le porter. Mais franchement, ça, c'est le top. Merci H&M parce que souvent, ce genre de pantalon ne possède pas de passant et moi, je les perds. Voilà, donc je l'ai pris en taille 40. Et comment vous dire qu'il est super confortable à porter, il est super doux, l'ouverture est latérale. Voilà, il est vraiment super beau. Et en fait, j'ai pris le même en noir. Voilà, si vous... Vous savez que j'adore le noir, c'est vraiment un classique, basique, voilà, pareil. Il est vraiment pareil, voilà, sauf que je l'ai pris en noir. Donc, hâte aussi de vous les présenter portés. Hop, surtout que hier, je suis passée chez Pinky et que je me suis pris un Perfecto en suédine de cette couleur-ci. Voilà, donc ces deux-là, je les ai eus, donc à la base, ils faisaient 29,99€ l'un. Voilà, et franchement, je ne les ai pas payés cher parce que tout ce que je vous ai montré là, pour ma troisième commande, j'aurais dû payer 154,91€. J'ai payé 50,92€. Donc avec le code, j'ai eu, parce que c'était un code sur les soldes, qui était valable sur les soldes, j'ai eu 103,99€ de réduction dans ma poche. Voilà, trop contente. Donc voilà, j'en ai terminé avec ma commande H&M. J'espère que celle-ci vous aura plu, qu'elle aura pu vous aider. Voilà, n'hésitez pas à mettre vos préférences en commentaire. Je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye, portez-vous bien.